À la une d'actualité juive en cette semaine du 5 juillet, on se demande si la diplomatie de Joe Biden face au nucléaire iranien fera le poids face au Mollah. Et bien sûr, on revient sur les émeutes en France. Dans son éditorial, Alexis Lacroix affirme « Sur le fond, aucune illusion n'est plus permise ». Cette réplique des émeutes de 2005 a de quoi inquiéter, surtout pour l'avenir, car la sécession mentale et morale de pans et d'enclaves du territoire se confirme. Et selon Franz-Olivier Gisbert, interviewé dans nos colonnes, cette jeunesse a été éduquée à haïr la France. No comment. Côté israélien, on revient sur la vaste opération antiterroriste à Jenin et sur cette info assez surprenante, il faut le dire, dans le climat ambiant. La Banque européenne d'investissement a accordé un budget de 900 millions d'euros à Israël pour accélérer sa transition climatique. Et puis cette semaine, attention, en plus de votre journal, les lecteurs israéliens recevront à domicile, pour ceux qui sont abonnés, ou en kiosque, pour ceux qui préfèrent, votre supplément mensuel LPH Magazine, qui fait sa une avec Anne Goscinny, un dossier passionnant sur la mode israélienne, une interview exclusive de Bati Eor, l'autrice de Eurabia et le Dimi, et un reportage sur une association israélienne qui vient au secours des agriculteurs menacés. Des infos utiles pour ceux qui occupent deux emplois, et ils sont nombreux en Israël, un volet culture, judaïsme, des jeux, des recettes, bref, je vous suggère de courir l'acheter. Merci de votre fidélité et surtout continuez à lire le journal, ça rend intelligent. Allez, salut! Pour vous abonner au meilleur de la presse francophone en Israël, une seule adresse, www.actualitéjuive.com/israel-abonnement ou contactez-nous au 058 461 62 62.